Monsieur le Président, mesdames et messieurs qui nous suivez par Internet, bonsoir. Au nom de la section économie de l'Institut national Genevois, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en cette rentrée d'automne, riche en nombreux et passionnants événements. Dans le cadre du cycle « Enjeux et perspectives de 1000 législatures », nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Thierry Apotello, conseiller d'État en charge du département de la cohésion sociale et des politiques culturelles et sportives. Sous le titre « Réinventer un nouveau contrat social », nous nous réjouissons de vous écouter sur ce projet de réforme de notre système de protection sociale qui vous tient tant à cœur. Monsieur le conseiller d'État, je vous cède la parole. Début de soirée avec vous. Je pensais qu'avec un micro sans fil, j'allais pouvoir être tout à fait libre de me déplacer. Je suis contraint par la lumière. Donc si jamais je déborde un peu trop, j'aurai quelques signes où je devrais effectivement me recentrer sur cette partie de la scène. J'ai souhaité vous amener quelques éléments de réflexion. Le titre évoquait l'idée d'un bilan à 1000 législatures. Bon, je sais que l'ING est particulièrement en avance sur plein de sujets, mais ça fait à peine une année que j'ai été élu, un peu plus d'une année, donc on ne sera pas véritablement en 1000 législatures, mais plutôt d'éléments qui conduisent en effet une politique de cohésion sociale qui, lors de la nouvelle composition du Conseil d'État, a permis effectivement de regrouper, cela a été dit, la culture, le sport et le domaine social au sens large. Mais je vais rapidement le brosser. Vous dire effectivement que je crois profondément qu'un homme ou une femme politique, pour qu'il soit lisible dans son action politique, doit être incarné. Donc vous devez, peut-être si vous ne le savez pas, comprendre d'où je viens, ce qui permettra aussi pour vous de mieux comprendre où je veux aller. Puisqu'effectivement j'ai des parents ouvriers, un papa qui était peintre en bâtiment, une maman couturière, grandi dans cette incroyable cité des Avanchais qui se terminait de construire. Donc on a au fond, dans cette nouvelle arrivée de cette cité des Avanchais, co-construit la vie de la cité, ce qui a été particulièrement riche. Ensuite, une école de commerce a été laborieuse, pour rien vous cacher. J'ai été plus passionné et intéressé par monter des projets humanitaires, sociaux, avec des enseignantes et des enseignants, des élèves, plutôt que de me consacrer aux études. Raison pour laquelle j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude pour pouvoir obtenir mon diplôme. Mon seul diplôme de l'École supérieure de commerce de Châtelaine me suffisait à entrer ensuite à l'Institut d'études sociales. C'était mon objectif. Je savais d'entrée que je n'allais jamais faire de commerce, ce n'était pas ce qui m'intéressait. En revanche, ce qui m'intéressait, c'est de compléter ma formation future sociale par une appréhension un peu plus facile que certains de mes collègues travailleurs sociaux, pour qui les chiffres sont tellement horribles qu'ils s'en détachent. Donc je voulais compléter d'ores et déjà ma formation pour ensuite rapidement être sur un terrain professionnel dans l'action sociale et ensuite en particulier dans des foyers pour adolescents, notamment une passionnante aventure au Locle dans un foyer pour ados, si possible les plus difficiles, au moins ils étaient challenging et ils étaient particulièrement passionnants. J'aime bien l'idée du défi avec des adolescents, qui plus est en grande rupture comme cela a été le cas. Ils sont évidemment très riches d'enseignements tout à fait pertinents dans la vie d'un éducateur tel que je l'étais. Et ensuite, à mon retour
à Genève, passé quelques 5 ans et demi au service de protection des mineurs. Là aussi, une passionnante aventure au sein du SPMI. Et puis, il se trouvait qu'au LOCL, il m'a été approché pour commencer à faire de la politique. Donc, je me suis inscrit au parti, puis conseiller général, c'est comme ça qu'on dit, au LOCL. Et lorsque je suis rentré à Genève, je suis arrivé à avoir des activités professionnelles d'une part, mais aussi des activités politiques. En 2000, au conseil municipal de Vernier, en 2001, au Parlement, pendant 2 ans, et puis en 2003, mon élection à la mairie de Vernier, aventure passionnante s'il en est, de 15 ans, puisque celle-ci s'est interrompue avec mon élection au Conseil d'État, avec une entrée en fonction au 1er juin 2018. Un changement de monde. Souvent, dans la situation que nous percevons de la situation du monde, notamment politique, on entend très souvent parler de crise. Crise financière, crise de dette, de budget, de compte. Mais ces éléments de chiffres, excuse-moi Claude, ces éléments de chiffres cachent véritablement un vrai tremblement de terre. Ces plaques tectoniques qui bougent sans trop le dire et qui, à un moment donné, créent un changement fort, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas dans un monde en crise, nous sommes dans un monde qui change très profondément. Et je vais vous donner pour cela quelques éléments vraiment non exhaustifs, mais pour comprendre comment et quelle est l'ampleur de ce changement de monde. En 1900, nous étions sur notre planète 1,6 milliard de personnes. En 2000, déjà, nous avions dépassé les 6 milliards. En 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à 7,8 milliards et il est estimé en 2050 à atteindre les 10 milliards de population. Je me suis intéressé aussi à la question de l'allongement de la vie. J'aime pas dire vieillesse, je trouve que c'est pas très élégant et pas très respectueux. Donc, parler de l'allongement de la vie dans une société comme la nôtre, elle est intéressante. Elle est intéressante pour les défis, et je vais en parler tout à l'heure, mais peut-être quelques éléments. D'abord, une espérance de vie qui augmente beaucoup, puisqu'en 1900, l'espérance de vie pour les femmes était d'environ 46 ans, et pour les femmes de 48 ans, et pour les hommes de 46. Et presque 110 ans plus tard, on est à 81 ans pour les hommes, et 85 ans pour les femmes. Mais plus intéressant encore si on s'en concentre sur Genève. En 1970, il n'y avait aucun centenaire. En 1980, ils étaient 4. Quelques 10 ans plus tard, en 1990, 38. Et aujourd'hui, 2018, 154 centenaires sur notre canton. À tel point d'ailleurs que le gouvernement précédent a émis l'idée de ne plus remercier personnellement les centenaires et de leur écrire un courrier, tellement l'administration était sollicitée par ceci. Évoquons rapidement la question de l'emploi. Il y avait 50% des emplois avant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient consacrés à l'agriculture. Aujourd'hui, ce n'est désormais plus que 1%. Puis deuxième chiffre aussi intéressant, on évoque d'ici 10 à 15 ans, que 54% des emplois seront automatisés. Vous voyez poindre tout à coup des situations d'inconfort ou d'insécurité, des emplois que l'on pensait inévitablement rangés dans quelque chose de très clair, on se rend compte que du coup, l'automatisation atteint, y compris les professions d'avocat. Aujourd'hui, il y a en effet des programmes qui sont capables de lire des dispositifs, des problèmes, et ensuite de vous pondre une ordonnance ou un avis de droit. Les ingénieurs sont également très forts dans l'invention de programmes capables de calculer, pire encore pour certains bureaux, en raison notamment des prix et de la concurrence des prix. Imaginez qu'on confie les calculs dans d'autres pays pour ensuite en récolter les effets. Donc, d'ici 15 ans, l'Union européenne estime
que 54% de nos emplois seront automatisés. Réfléchissez d'ailleurs très rapidement à l'idée même que lorsque vous allez dans un grand centre commercial, qu'il soit orange ou orange un peu plus pâle, vous avez déjà une forme d'automatisation, qu'aux États-Unis, on est capable d'avoir une fréquentation de centres commerciaux sans aucune hôtesse de caisse, et qu'il suffit de mettre ses objets dans un panier pour pouvoir passer et se faire facturer. Autre élément pour brosser un peu le tableau, certes très partiel, mais pour vous donner un peu mon état d'esprit dans ce changement de monde, figurez-vous qu'il a fallu 75 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs du téléphone. 75 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs du téléphone. Quelques années plus tard, il en a fallu plus que 13 ans pour avoir 50 millions de spectateurs avec une télévision. Eh bien, figurez-vous qu'il a fallu 35 jours pour que le jeu Angry Birds sur nos smartphones puisse être vu par 50 millions de personnes. Vous voyez comme quoi l'information circule à une vitesse incroyable et qu'il faut d'ailleurs, à ce propos, être particulièrement vigilant sur la façon dont nous sommes effectivement capables d'entreprendre des changements. Alors, 1er juin 2018, le Conseil d'État, dans le cadre des travaux du mois de mai, décide de créer un nouveau département. Il n'existait pas jusqu'alors. Il s'appellera le département de la cohésion sociale, regroupant ce qu'on appelait avant la Direction générale de l'action sociale, qui a dans son sein toutes les affaires sociales, d'action sociale, notamment la surveillance de l'hospice général, la question du handicap, et puis les politiques culturelles, les politiques sociales. J'ai voulu également faire en sorte que dans notre giron, nous puissions élaborer et travailler sur les questions d'intégration des personnes étrangères. Donc le BIE, le Bureau d'intégration des étrangers, fait partie également de mon service, rattaché désormais à l'OAIS, comme on dit, l'Office de l'Action, de l'Insertion et de l'Intégration sociale. Ce qu'on doit absolument admettre entre vous et moi aujourd'hui, c'est que développement de notre canton, il y a. Développement à plusieurs niveaux. Je prends pour cela deux chiffres. Le PIB, le produit intérieur brut, en 2003, il était valorisé autour de 37 milliards de francs suisses. 10 ans plus tard, il est désormais de 56 milliards. Autre élément intéressant, c'est la création d'emplois, qui effectivement a explosé dans notre canton, qui paradoxalement se confronte à une augmentation conséquente des personnes à l'aide sociale, 100% d'augmentation de personnes à l'aide sociale en 10 ans. Et cette confrontation du nombre d'emplois créés qui explosent dans le canton et des personnes au bénéfice de l'aide sociale nous interroge particulièrement. Réfléchissons aussi aux travaux du Centre d'analyse territoriale des inégalités, le CATIGE, qui est un organe décidé par le Conseil d'État, ensuite de la loi sur la politique de cohésion sociale en milieu urbain. Et en 2011, en 2014 et bientôt en 2019, le CATIGE fait une photographie de la situation de notre canton au titre des inégalités. Pour cela, il a pris 6 critères principaux, que sont par exemple les catégories socio-économiques des parents, des élèves d'un territoire. Il y a par exemple aussi le taux d'allocation pour le logement, le nombre de personnes à l'aide sociale au sens large du terme, et ainsi donne des critères pour ces communes, voire des secteurs statistiques, et nous sommes capables aujourd'hui de savoir où sont les poches de précarité dans le canton. À titre d'exemple, le salaire médian d'une commune comme Carouge est de 68 000 francs. À Vendeuve, pour prendre un exemple plus important, 114 000 francs de salaire médian. Vous voyez à quel point, y compris dans notre canton, la question de la diversification
des apports financiers est une réalité. Donc, dans notre canton, qui est relativement stable au titre effectivement de son économie, de la situation politique, eh bien, il y a un fossé qui se creuse entre les habitantes et les habitants. À tel point, effectivement, que dans la nature même des familles, il y a des changements évidemment profonds liés aux séparations, aux divorces. Un mariage sur deux à Genève se termine en séparation ou en divorce. Mais il y a aussi une autre conséquence à cette situation de famille, c'est effectivement qu'il y a la nécessité économique pour deux parents de devoir travailler. Et même avec ces prestations jointes, entre un papa et une maman qui travaillent par exemple, il y a encore des difficultés économiques, raison pour laquelle en 2012 déjà, le gouvernement avait proposé des prestations complémentaires familiales. Alors, au titre d'un clin d'œil, est-ce qu'on va devoir, mesdames et messieurs, imaginer faire travailler les enfants pour pouvoir avoir un troisième salaire dans une famille? Vous aurez évidemment rapidement une réponse dans votre tête. Il ne s'agit pas de le faire, mais il s'agit de se questionner sur la façon dont aujourd'hui les familles sont mises sous pression. De ces différents constats, certes rapides et peu exhaustifs, j'en conviens, il y a la nécessité d'apporter un certain nombre de réponses, et c'est un peu la deuxième partie de mon intervention. Pour moi, il y a une priorité qui est celle de la situation de nos seniors. Ces seniors sont dans une situation complexe, financière, même si le deuxième pilier joue maintenant son rôle pour les nouvelles personnes qui partent à la retraite. Mais l'allongement de la vie questionne irrémédiablement l'ensemble des politiques publiques de notre canton. Avant, on pouvait imaginer que la question des seniors ne concernait que la santé. L'hôpital, IMAD, l'institution de maintien à domicile. Or, avec cet allongement de la vie que j'ai évoqué dans les constats, on se rend compte effectivement que les enjeux sont largement partagés. Rappelez-vous que d'ici 2030, il est estimé un doublement du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans notre canton. On va doubler le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. En 1930, il y avait 349 personnes âgées de plus de 90 ans, et en 2010, 6012 personnes âgées de 90 ans et plus. Donc, pas que de la santé, mais très concrètement, des questions relatives à l'aménagement urbain. Comment est-ce qu'on s'assure que nos seniors puissent, à n'importe quel âge, être dans notre ville, dans nos campagnes? Comment est-ce qu'on s'assure que les changements liés au logement s'opèrent? Il existe encore dans notre loi, notre fameuse LDTR, la loi sur les travaux, les rénovations de nos logements, une règle qui impose la construction d'une baignoire. Nous avons une obligation légale que chaque promoteur d'immeubles construise des baignoires dans les salles de bain. Or, on se rend compte avec l'âge qu'évidemment la question de la baignoire est problématique. Donc voilà, on est sur une loi antérieure qui estimait que la baignoire était une victoire à l'époque, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on doit travailler aux questions logement, aux questions urbanistiques, aux questions évidemment sociales. Et si je l'évoque, c'est que j'avais été très marqué par un édito du journal de l'Affaire, la Fédération des entreprises romandes, qui annonçait dans son édito que l'isolement tue plus que l'obésité et le tabac passif. Une personne qui se sent particulièrement isolée a des risques morbides bien plus importants, effectivement, que les deux cas que j'ai cités. On est confronté donc dans nos politiques publiques à deux éléments. Un besoin de prestations individuelles. Nous avons besoin de soutenir la personne dans son logement, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, de santé évidemment.
Mais on a aussi besoin de travailler sur du collectif, c'est-à-dire que pouvons-nous mettre en place ensemble à une vie collective qui soit bien meilleure que celle qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Et par exemple, la question de l'isolement touche ces deux questions, la situation individuelle d'une part et la situation collective. Ou autrement dit, c'est un terme que j'aime bien, comment est-ce que nous pouvons construire ensemble un mieux vivre ensemble à Genève ? Cela passe par des petites actions, dont un des partenaires essentiels pour moi est la question et l'action sociale de proximité. Ou autrement dit, comment est-ce que collectivité publique, qu'elle soit communale ou cantonale, nous sommes capables de répondre à ces défis des seniors, à ces défis de proximité ? J'aspire en effet, j'ai commencé des travaux avec les communes genevoises, vous savez que je les connais bien, de travailler sur plusieurs niveaux au titre de l'action sociale de proximité. Rassurez-vous, je ne vais pas demander à chaque commune de créer un service social largement doté. En revanche, on pourrait quand même imaginer que pour nos seniors en particulier, il y a une nécessité de leur apporter une réponse professionnelle. Très honnêtement, j'en ai un peu marre de voir des personnes âgées débarquer dans une mairie et demander à la réceptionniste de bien vouloir l'aider à répondre à son dossier de service des prestations complémentaires. Non pas que la secrétaire soit particulièrement inadéquate, c'est que bien souvent dans une demande affichée de soutien financier, il y a généralement des questions qui se posent pour elle. Et il faut un professionnel pour pouvoir l'aider à résoudre cette question-là. Il y a par exemple la question tout à fait légitime de l'accès aux droits. Ça paraît bizarre de penser que nous avons un système d'assurance sociale qui est bien doté. Nous sommes fiers de notre tissu social, même si quelques mailles peuvent ici et là s'ouvrir. Il n'en demeure pas moins que notre système d'assurance et d'action sociale est bien doté. Et pourtant, on estime que 3 voire 4 personnes sur 10 ne font pas appel à leurs droits. Pour plusieurs raisons. Une raison autour de la timidité. C'est compliqué d'aller dans une administration. Ça fait même parfois un peu peur. Ensuite, il y a un sentiment de fierté. C'est difficile d'aller taper à la porte de son centre d'action sociale dans son quartier pour dire « je suis en difficulté », ce qu'il faut déjà admettre, et ensuite de demander de l'aide. Il y a aussi une méconnaissance. C'est tellement compliqué. Je ne sais pas comment, sur quel bout le prendre, eh bien, je préfère renoncer. Et il y a pire encore. Par exemple, cette situation où enfin vous entrez dans un lieu d'action sociale et on vous fait la liste longue comme le bras de papier à remplir. Vous y comprenez à peu près la moitié. Et surtout, on vous dit bien qu'il faut revenir une fois que vous aurez tout rempli. J'estime que là, les communes ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle extrêmement intéressant parce qu'elles connaissent leur population et elles permettent ainsi, non pas de dire « vous reviendrez quand vous aurez rempli l'ensemble des papiers », mais on va vous aider à remplir l'ensemble des documents demandés. Ça paraît tout bête, mais lorsqu'on sait la difficulté que certaines personnes ont, je ne parle pas seulement en français, mais aussi en appréhension de la chose administrative, comme on dit, il y a encore pas mal de travail à faire. Et donc la possibilité de pouvoir avoir un premier échelon de proximité est le souhait que je vais développer avec les communes prochainement. Je veux aussi, avec les communes, leur rappeler deux éléments essentiels. Premier élément, c'est que investir plutôt que réparer. Investir maintenant coûtera toujours moins cher que ce que nous aurons à réparer. À titre d'exemple, et ce n'est pas le médecin qui est en face de moi qui me contredira le contraire, qui me contredira, la question de l'isolement, par exemple, atteint la santé. La question des dettes, et je vais y revenir, atteint la santé. Si nous sommes capables d'anticiper, c'est-à-dire de prendre suffisamment tôt la situation et de la traiter, alors on peut effectivement penser ou imaginer échapper à des questions et des atteintes de la santé.
Deuxième élément, anticiper plutôt que dépenser. Ça veut dire voir sur le long terme. Et ce n'est pas toujours simple pour un homme ou une femme politique de voir sur le long terme. Parce que je sais que les mesures que je prends maintenant auront des effets dans 5 ou 10 ans, au moment où peut-être je ne serai plus en fonction. Or, l'homme politique, la femme politique a besoin d'être réélue en 2023, en 2028, etc. Donc il y a une confrontation qui n'est pas toujours simple à répondre entre le court terme et puis des actions de long terme qui sont généralement peu visibles parce que structurantes, mais qui ne se dit pas forcément. J'ai évoqué la question de l'endettement. Devrais-je dire plutôt du surendettement ? L'endettement, c'est par exemple, dès lors que vous avez un franc sur votre carte de crédit, on peut parler d'endettement. C'est un peu exagéré, mais c'est pour vous montrer la différence. La question du surendettement, elle est plus pernicieuse. C'est quand on n'arrive juste pas à pouvoir remplir la possibilité de répondre, enfin de payer ce 1 franc sur sa carte de crédit. Aujourd'hui, il y a en Suisse 40% de notre population, enfin d'un ménage plus précisément, qui a au moins un crédit. 40% de la population a au moins un crédit pour une voiture, pour une maison, pour un bien d'achat. Et contrairement à tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, les personnes qui sont surendettées, très majoritairement, et quand je dis très majoritairement, c'est plus de 90%, ce sont des personnes qui ont deux types de dettes, d'assurance maladie et d'impôts. Et celles et ceux qui estimaient que la question du surendettement est une affaire entièrement individuelle qui concerne des pratiques d'achat qui ne seraient pas à valoriser, elle s'est ultra, ultra minoritaire. Donc nous avons entre le loyer, surtout à Genève, l'assurance maladie et les impôts, ces trois facteurs d'aggravation d'une situation financière pour une famille. Et encore plus si on imagine d'être famille monoparentale. C'est le facteur premier de la pauvreté et de la précarité en Suisse et à Genève. L'autre facteur qui contribue à la pauvreté à Genève, c'est le manque de formation. 6 bénéficiaires sur 10 de l'hospice général aujourd'hui n'ont pas de formation n'ont qu'une formation primaire. Ça veut dire qu'il y a une interruption de la formation très rapidement, pour différentes raisons, que ce soit des questions migratoires, mais aussi des questions d'obligation d'aller travailler plutôt que de poursuivre une formation, est une réalité. Le surendettement me pose 3 problèmes. Premier problème, c'est qu'il affecte durablement les personnes et les familles. Ça empêche, et de plus en plus, toute insertion professionnelle et sociale. Encore plus lorsqu'on imagine que sur les extraits de poursuites, même si elles sont payées, elles restent encore notées, donc c'est compliqué à assumer. Et puis, évidemment, la présence de dettes au titre notamment du logement pose problème. Un propriétaire aujourd'hui aurait des réticences à louer son bien à quelqu'un qui est porteur de dettes. Donc il faut pouvoir admettre que la question du surendettement pose effectivement des questions très réelles, très pratiques d'insertion professionnelle. Deuxième élément, c'est que les dettes ou le surendettement prétéritent les acteurs économiques. Les artisans, les artisanes qui offrent effectivement une prestation et qui ne sont pas payés. Et puis troisième élément, ça impacte les finances publiques. Au titre de 2 éléments, le premier c'est les impôts, je vous ai dit que c'était l'élément parmi la malle et les impôts qui plombent un budget et qui favorisent le surendettement, raison pour laquelle nous avons à travailler sur les questions d'impôts. Et puis il y a l'assurance maladie, dont l'État, à la suite de douloureuses et difficiles situations de maladie, a décidé, il y a de cela 7 ou 8 ans maintenant, de prendre en charge
après acte de défaut de biens, dès la prise en charge des assurances maladie, pour éviter des ruptures de traitement. Donc là aussi, sur les questions d'assurance maladie, il y a un intérêt tout particulier à pouvoir travailler. Pire encore, quelque chose qui me scandalise, c'est le fait qu'un jeune qui a 17,9 ans, dont les parents ont décidé pour des raisons qui leur appartiennent de ne pas payer ses primes d'assurance maladie, cela constitue donc une dette. Et lorsqu'il passe sa majorité, 18 ans et un jour, ses dettes lui sont transmises ad personam. Personnellement, il est responsable des dettes que ses parents lui ont causées. C'est difficile à commencer une vie d'adolescent de 18 ans avec des dettes qu'il n'a lui-même pas causées. Donc on veut aussi travailler sur ces questions-là, et en particulier avec les jeunes. Mais on a la volonté, dans le cadre d'un plan cantonal de lutte contre le surendettement, de travailler au fond sur des périodes clés dans la vie. Ces périodes clés sont particulièrement sensibles parce qu'elles créent ou elles favorisent la création de surendettement. Je pensais à la majorité, je l'ai évoqué avec vous. Un enfant, l'arrivée d'un enfant dans une famille est toujours un moment extraordinaire, et c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion de dépenses supplémentaires. Le divorce, la séparation, la perte d'emploi, l'échec d'une activité indépendante, la retraite, l'arrivée en Suisse sont des facteurs dans la vie qui sont particulièrement sensibles. C'est la raison pour laquelle aussi, dans les priorités de mon département, il y a la question du logement. Se loger paraît être un droit fondamental qui est si anodin qu'au fond, plus personne n'en parle. Et pourtant, il y a une volonté de mon département de travailler sur la question du logement. Rassurez-vous, je ne vais pas commencer à me transformer en Anthony Rogers et maîtriser pleinement les PLQ, les MRZ et tout ce qui vont avec la législation de l'aménagement du territoire. Ce qui m'intéresse, c'est quatre séquences autour du logement. Première séquence, l'hébergement d'urgence. Il y a dans notre canton un certain nombre de personnes qui dorment dans la rue. Il faut pouvoir leur apporter des solutions. La ville de Genève offre des solutions en hiver et désormais en été. On peut s'en réjouir. Deuxième séquence sur laquelle j'aimerais pouvoir travailler, c'est le maintien en logement. Il y a aujourd'hui des pratiques au titre de délais dans le paiement qui doivent être réglées pour permettre à ce qu'un logement soit maintenu. Il est trop difficile de retrouver celui-ci. Je rêverais, mais alors ça, j'ai, je vous assure, beaucoup travaillé avec plusieurs juristes pointus sur l'idée que des personnes qui sont dans un logement de 4 ou 5 pièces, qui sont atteintes, enfin qui prennent de l'âge, pas atteintes, mais qui prennent de l'âge, eh bien, sont seules dans un appartement de 4 ou 5 pièces. Et je rêverais d'imaginer une forme de bourse d'appartement pour avoir un logement plus petit pour une personne seule et plus grand pour une famille. Mais évidemment, cet idéal-là, il est confronté à la réalité d'un loyer qui coûte de plus en plus cher. Et donc, il y a encore un système juridique que je n'ai pas réussi à trouver, mais ça va être mon petit joujou de réflexion juridique pour y arriver, parce qu'on doit pouvoir favoriser effectivement des personnes qui souhaiteraient quitter un logement grand pour avoir et laisser la place à des familles. Troisième séquence que j'aimerais pouvoir travailler, c'est la séquence du logement relais pour des personnes qui ont vécu un certain nombre de difficultés de retrouver un logement, de pouvoir le tenir, s'exercer à la gestion de ses dettes, à la gestion de sa vie, d'insertion sociale et professionnelle. C'est l'occasion de développer, notamment avec les fondations communales et les fondations de droit public, des projets de logement relais. Puis quatrième élément, il s'agit évidemment de parler d'accès, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut favoriser l'accès à des logements par un certain nombre de personnes. Et là, je vais, dans le courant de l'année prochaine, inviter un certain nombre de régies et de fédérations à réfléchir autour d'un concept que l'on a appelé, pour l'instant, prenez-le comme un projet pilote mais non stabilisé, de régie solidaire. Comment est-ce que nous sommes capables de travailler sur des expériences pilotes avec des personnes
où le risque peut être partagé par les uns et par les autres, par le propriétaire et la régie d'une part, et accompagné par un service d'autre part. Vous voyez à quel point aussi ce que j'évoquais au titre de l'action sociale de proximité prend tout son sens, parce qu'il y a une nécessité d'appuyer ce type de démarche. J'ai évoqué tout à l'heure la question des dettes et du surendettement avec ces deux facteurs aggravants dans la situation d'un budget familial, les impôts d'une part et l'assurance maladie d'autre part. L'alternative, la gauche, avait lancé une initiative dite 10% qui obligeait le canton à faire en sorte que les primes d'assurance maladie ne dépassent pas 10% du revenu familial. Le Conseil d'État a décidé plutôt de lui apposer un contre-projet qui peu ou prou atteint effectivement ces 10% et qui a été la formule phare d'accompagnement du projet RFFA. Ce projet RFFA visait à harmoniser et à supprimer des situations fiscales pour des entreprises à forfait et de les taxer. Toute la question de la taxation et du chiffre avait été largement débattue lors de la précédente législature, et Nathalie Fontanet a trouvé un accord qui a permis effectivement, vis-à-vis de la population, de faire diminuer les impôts pour les entreprises. Et puis pour accompagner cette baisse d'impôts pour les entreprises, le Conseil d'État a choisi le principe tout simple qui est de dire 1 franc de baisse fiscale, c'est 1 franc de plus pour les subsides d'assurance maladie. C'est donc 186 millions qui, dès le 1er janvier 2020, seront injectés dans le système des assurances, enfin, du subside d'assurance maladie. 186 millions, c'est une somme que jamais on a pu imaginer dans le système et qui va profiter d'abord aux classes moyennes. Vous savez, cette partie de la population qui gagne trop pour pouvoir obtenir des prestations sociales et qui ne gagne pas assez pour pouvoir vivre confortablement. Alors celle-là, elle va être particulièrement aidée par ces 186 millions pour aider cette classe moyenne. Et puis on a aussi ciblé pour les personnes seules avec enfants, parce que là aussi vous avez retenu de ma part l'idée que lorsqu'on est famille monoparentale, c'est un facteur aggravant dans la précarité et la pauvreté. On avait donc un intérêt à leur apporter des propositions concrètes. Très concrètement, cela veut dire qu'une personne seule qui gagne au titre de ce qu'on appelle le RDU, le revenu déterminant unifié, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, en gros c'est 90% du salaire, du revenu de la famille, une personne seule qui gagnerait moins de 30 000 francs au titre du RDU toucherait 300 francs par mois d'aide supplémentaire pour payer ses cotisations d'assurance maladie. Une personne seule avec enfant qui gagne 71 000 francs, RDU encore, c'est 300 francs par mois par personne. Et puis, un couple avec deux enfants, c'est 507 francs que nous pouvons accorder à ces personnes. Ce qui est intéressant, c'est que le système qui existait déjà, 30 francs, 50 francs, 90 francs de subsides d'assurance maladie, passe désormais de 30 francs à 300 francs. Et nous avons également élargi la palette des personnes qui pouvaient atteindre un subside, puisqu'on passe de 30 000 francs de revenus RDU à plus de 169 000 francs RDU. C'est là où on touche cette classe moyenne, celle qui gagne effectivement généralement pas assez pour pouvoir obtenir ce type de subside. Vous dire aussi que j'ai beaucoup, et vous l'aurez compris, été attentif dans mes années à la mairie de Vernier sur la condition des familles. Et en arrivant au Conseil d'État, je me suis aperçu, mais je le savais, cela a été confirmé, qu'au fond, les familles sont un projet politique qui est si dispersé qu'il n'est finalement pas traité complètement. Et donc, lorsque le département de la cohésion sociale a vu le jour le 1er juin 2018,
Il était accompagné de la commission cantonale de la famille, ce qui me permet d'ancrer effectivement une action, des actions pour soutenir les familles. J'ai évoqué le contre-projet à l'initiative 170 sur l'assurance maladie. Et nous avons développé avec la commission cantonale de la famille différents projets sur lesquels on peut effectivement, pour juin 2020, amener des éléments très concrets au titre de l'aide pour ces familles. Un autre élément qui m'a aussi surpris, que j'ai voulu engager, est la question de l'aide sociale individuelle. 100% d'augmentation en 10 ans, certes, on en prend acte, mais comment est-ce que cette loi, cette LIASI, comme on dit, la loi sur l'intégration et l'aide sociale individuelle, peut répondre aux défis d'aujourd'hui, mais encore mieux aux défis de demain? C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité confier à Stéphane Rossini, l'ancien président du Conseil national et professeur de sécurité sociale, un travail partagé de réflexion et surtout de proposition de modification de la loi sur l'aide sociale individuelle. Cette nouvelle loi doit être sur mon bureau pour janvier 2020. Ensuite, on va la traiter au niveau du département et je la présenterai au Conseil d'État dans le courant du printemps. Elle vise à un certain nombre d'objectifs, notamment celui d'imaginer que notre loi actuelle est très orientée sur l'insertion professionnelle. On veut et on souhaite, on a toujours souhaité, qu'une personne au bénéfice d'une aide sociale la quitte le plus vite possible pour retrouver un travail. Mais le constat que nous devons partager ensemble ce soir, c'est que les débouchés économiques sont de plus en plus difficiles à atteindre pour un certain nombre de personnes à l'aide sociale. Il y a certes le nombre, il y a aussi la durée de prise en charge qui s'allonge, mais ce qui m'a particulièrement alerté a été les chiffres de l'Hospice Général sur les 50 ans et plus. Il y a à l'hospice une augmentation conséquente du nombre de personnes à l'aide sociale âgées de 50 ans et plus. Donc de leur dire à 55 ans et à 60 ans, Madame, Monsieur, mon objectif est de vous remettre sur le marché du travail, c'est un objectif louable que je soutiens à 100%. Mais avec une petite réserve, nous n'avons pas le droit de la pénaliser parce qu'elle n'y arrive pas. On doit l'accompagner dans la dignité, à l'exercice de son droit citoyen. Ça, c'est un élément essentiel pour moi, car sinon, on se trompe. Et on fait croire, effectivement, que l'ensemble du dispositif social est considéré comme magique. Or, cela n'est pas le cas. Et nos seniors dans le marché du travail sont particulièrement touchés. Je rappelle juste que moi, je viens de dépasser la catégorie des seniors. J'ai 48 ans. Et dans le monde professionnel aujourd'hui, dès qu'on a 45, on est considéré comme un vieux. Donc, vous voyez à quel point c'est particulièrement sensible. Vous dire encore quelques éléments de projet, je vais être un peu plus rapide pour laisser la place aux échanges. Dans le département que j'ai l'honneur de présider, j'ai voulu traiter la question du handicap. Alors souvent, on a une difficulté à imaginer que le handicap peut tous nous concerner. D'abord parce qu'on peut avoir évidemment une famille qui peut être touchée par une personne en situation de handicap. Mais si on se rappelle que l'allongement de la vie permet à un certain nombre de personnes âgées de pouvoir être en la relative bonne santé, il y a une considération à adopter, c'est que la question du handicap doit nous tous nous concerner. Sur les questions d'urbanisme, sur les questions de logement, d'accès à l'administration, de places d'accueil, de prise en charge à domicile, de soutien aux proches aidants, ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, nous avons le souhait de pouvoir être particulièrement actifs. On a commencé par faire un tour des établissements pour les personnes en situation de handicap, une quinzaine dans le canton qui font un travail au quotidien absolument fabuleux et qui sont particulièrement frappés par les décisions politiques prises ces dernières années au titre d'économie.
Donc on a travaillé pour leur rétablir la confiance et de faire en sorte qu'ils puissent développer et continuer à le faire un accueil de qualité. On a aussi rapidement travaillé à la modification de ce qu'on appelle le fonds Helios. Je vous en parle parce qu'il est peu utilisé et que si vous avez ici et là des proches qui s'y intéressent, je vous encourage à aller sur la page du département. Le fonds Helios, c'est un fonds qui a été créé en 2003, qui est un beau projet de collaboration entre la Fondation Wilsdorf et le département et le tiers. Je m'explique. Dès 2003, l'objectif était de lutter contre les barrières architecturales et d'imaginer que pour accéder à un bâtiment privé ou semi-public, il y avait des travaux à effectuer pour lutter contre ces barrières architecturales. Alors, le fonds Helios prend 2/3 des frais occasionnés par ce chantier, 1/3 la Fondation Wilsdorf, 1/3 le canton, 1/3 le propriétaire du bien concerné. Et puis, près de 15 ans plus tard, on se rend compte que les budgets n'ont quasiment pas été diminués de la part du canton. En revanche, l'utilisation même du fonds Helios est extrêmement basse. Donc on a décidé de revoir les critères du fonds pour favoriser d'une part d'autres formes de handicap, parce que quand on parle de barrières architecturales, prioritairement on pense aux personnes en chaise roulante. Mais il y a par exemple une définition plus large que j'ai souhaitée du handicap, notamment par exemple du handicap psychique, qui pourrait être aussi amené comme projet de changement. Nous avons également voulu imaginer des campagnes de promotion qui permettent à des personnes, comme c'est le cas pour Foyer Handicap, de faire une magnifique campagne de promotion de leurs habitantes et de leurs habitants. On est en plein dans la campagne de trajet. Vous avez vu Déjanté, Maboul, avec des portraits, des grands portraits. Cela participe à la sensibilisation de la question du handicap auprès du grand public. Ce fonds Helios est à votre disposition. L'ensemble des critères sont clairement établis dans le règlement. Pas besoin d'être un grand juriste, il suffit de le lire, de déposer, la réponse est rapide. Et tant la Fondation Wilsdorf que mon département pouvons tout à fait réagir rapidement. À titre d'exemple, j'ai discuté et visité le Musée international de la Croix-Rouge, magnifique musée, et Roger Mailloux, son ancien directeur, me disait qu'il rêvait que les vidéos de témoignages qui sont actuellement diffusées dans son musée puissent être sous-titrés. Or, c'est une dépense conséquente pour son musée. Et là, j'ai suggéré de faire effectivement appel au fonds Helios pour faire en sorte que les 2/3 de la dépense soient assumés par Wilsdorf et par le département, et que lui n'en mettrait qu'un tiers. Je veux dire aussi que lorsqu'on parle d'une inclusion nouvelle dans le canton, il y a aussi la question sensible, je le sais, de l'inclusion des personnes étrangères. Nous avons connu une vague migratoire conséquente en 2015-2016. Celle-ci tend à se tarir, en tout cas jusqu'au moment où la Turquie décide de maintenir la barrière fermée, en cela aidée par l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que nous savons, par exemple, que pour les jeunes mineurs non accompagnés, eh bien, ceux-ci proviennent principalement de 2 pays, l'Afghanistan et l'Érythrée, et que ce sont des jeunes qui vont rester chez nous. Il y a donc 2 postures à avoir, celle de dire « on s'en occupe pas, ils ont qu'à se débrouiller », ou est-ce qu'on utilise effectivement la situation qui nous est offerte pour pouvoir leur permettre d'obtenir des places de travail, ce qui d'avant nous coûtera moins cher qu'une prise en charge à l'aide sociale. Dernier élément avant qu'on parle de culture et de sport, je ne sais pas combien de minutes j'en suis, eh bien, c'est celle de la politique de cohésion sociale en milieu urbain, la PCSMU. C'est une loi qui a été votée par le Parlement, qui n'a jamais été appliquée par le précédent gouvernement, et qui vise à une chose très simple, de donner des moyens là où il en manque le plus.
Donc, avec le Centre d'analyse territoriale des inégalités, on est capable de savoir où sont les poches d'inégalité et de travailler associations, communes et cantons à l'élaboration de projets très concrets, très efficaces, qui pourraient être mis en place par un partenariat. Vous dire aussi que depuis le 1er février 2019, j'ai l'immense plaisir de retrouver mes anciens collègues élus, magistrats et magistrats communaux, au titre du service des affaires communales. C'est une décision qui me convient assez bien, vu les projets que j'ai d'aide sociale de proximité. Mais là, on a des enjeux qui semblent peu visibles et pourtant, ils sont très concrets. Figurez-vous qu'à l'heure où je vous parle, donc mi-septembre 2019, nous avons vu un changement de conseillères et de conseillers municipaux de 50%. Il y a un élu sur deux qui n'a pas été élu par le peuple de sa commune pour siéger au conseil municipal. Cela a de quoi quand même nous questionner sur notre démocratie, sur le conseil municipal, sur ses compétences et son rôle, sur l'exécutif, sur ses compétences et son rôle. Donc on va, cet automne, engager un travail de réflexion partagée avec anciennes et anciens magistrats communaux et cantonaux, ainsi qu'avec des anciennes et des anciens conseillers municipaux. Parce qu'il faut qu'on trouve quelques éléments qui stabilisent quand même notre corps électoral de proximité. On a voulu aussi travailler sur des questions de budget. Plus structurellement, on va interdire à trois communes que le maire préside le délibératif. On a encore aujourd'hui trois communes dont le maire exécutif préside le délibératif. Vous voyez la confusion. Et puis, j'ai lancé aussi l'idée auprès de l'Association des communes genevoises de supprimer la distinction des communes de moins de 3000 habitants avec des communes de plus de 3000. La distinction au niveau de l'exécutif fait que lorsqu'on est dans une commune de moins de 3000 habitants, c'est un maire qui a tous les pouvoirs et deux adjoints. Et dès qu'on passe les 3000 habitants, on est sur un dispositif connu de conseil administratif de 3 membres, sauf pour la ville de Genève où ils sont 5. Là, l'idée, c'est aussi de partir de l'hypothèse qu'en renforçant le rôle des adjoints, en étant pleinement membre d'un collège, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, c'est participer, nous l'espérons, à stabiliser le nombre de départs de conseillers administratifs. Aussi là, en 2019, on a un record un record historique du nombre de départs de magistrates et de magistrats à l'exécutif. Donc on a aussi des réflexions à mener pour stabiliser notre démocratie. Quelques mots, permettez-moi, sur le deuxième thème, le deuxième chapitre, c'est celui de la culture, avec beaucoup de projets en matière culturelle. Je vais m'arrêter sur quelques-uns d'entre eux. Premier élément, accès à la culture. Cet accès à la culture, il fait partie d'un message ou d'un avant-projet de message que j'ai souhaité ouvrir en consultation et qui ancre l'idée qu'un accès à la culture doit être favorisé. Ça paraît tout simple à dire, mais dans les faits, il s'agit pour nous de créer un double chemin. Qu'un passionné de culture puisse aller dans une institution, mais que l'institution puisse aussi aller vers la population. D'imaginer en effet des œuvres d'art, comme celle que j'ai inaugurée hier à Thonay, dans un parc entièrement réhabilité, avec une œuvre d'art construite et faite avec les habitantes et les habitants du quartier, c'est offrir très naturellement, très facilement, un accès à une œuvre d'art. C'est l'occasion d'imaginer effectivement aussi que le grand théâtre puisse faire des projections dans les quartiers populaires. C'est d'imaginer que la danse puisse être notre fer de lance culturel et devenir ainsi la capitale suisse de la danse contemporaine. Nous avons beaucoup de qualités en matière de danse. Notre célèbre chorégraphe
Maria Laribot vient d'obtenir le grand prix suisse de la danse. Et cette cérémonie a été accompagnée de trois autres prix pour les danseurs et danseuses de jeune voix. Cela peut évidemment me réjouir. Accès à la culture, facilité, y compris pour des personnes en situation de handicap. On a monté un dispositif que l'on appelle RELAX, qui est de permettre, par exemple, à des personnes en situation de handicap de venir quelques minutes avant pour pouvoir appréhender le lieu. Vous savez que les changements de lieu sont parfois difficiles à vivre pour un certain nombre de personnes. De discuter avec les actrices et les acteurs ou les responsables de la scène, et puis de leur permettre de vivre le spectacle le mieux possible. Ou encore d'imaginer que la carte 20 ans, 20 francs puisse être généralisée, qu'on augmente les budgets d'accès à la culture grâce à la carte 20 ans, 20 francs. On peut l'acheter à 5 ans, à 12 ans ou à 18 ans. Cette carte ne coûte 20 francs et elle offre des rabais, y compris substantiels, du grand théâtre jusqu'à une petite troupe. Donc on a là véritablement des moyens que nous souhaitions développer au titre de l'accès à la culture. Un autre élément prioritaire pour mon département, c'est la question de la politique du livre. Cela a été tranché par une loi, la loi sur la répartition des tâches, qui confie au canton le domaine exclusif du livre, si ce n'est les bibliothèques municipales qui resteront municipales. Mais d'imaginer en effet des actions du canton qui vont de l'aide aux auteurs jusqu'à l'aide à la diffusion. C'est mettre des livres à disposition des habitantes et des habitants. C'est d'imaginer la capacité de la rencontre et d'un auteur et du public. C'est de discuter du livre, c'est de pouvoir y accéder. Je suis très intéressé à ce que les habitantes et les habitants, en particulier les plus jeunes, puissent accéder à des livres. C'est toujours fascinant quand on imagine qu'il n'y a pas un seul livre dans une maison, et pourtant c'est encore le cas. Donc voilà, toute une série de relations et de partenaires que nous souhaitons avec les auteurs Genevois, avec les maisons d'édition, permettrait de concrétiser cette volonté politique. Un autre élément aussi qui confie au canton une priorité culturelle, c'est celle de la diffusion de nos artistes genevoises et genevois. L'aide à la diffusion, c'est-à-dire l'aide au rayonnement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les artistes genevois puissent aller en Romandie, en Suisse et à l'international. Nos artistes ont besoin d'un accès au marché francophone ouvert, en Belgique et en France en particulier. Parce qu'évidemment, le territoire genevois et le territoire suisse, pour certaines pratiques culturelles, est difficile à pouvoir en vivre. Il y a donc un intérêt à ce que nous puissions développer des partenariats en francophonie notamment. Nous le faisons déjà, et nous allons le développer avec notre participation au Festival des rencontres d'Arles, qui est la capitale mondiale de la photographie pendant 2 mois et demi, dans cette magnifique ville d'Arles. Eh bien, des artistes genevois y sont pendant 2 mois et demi et sont valorisés. Lorsqu'on a soutenu des pièces de genevoises et de genevois à Avignon, c'est l'occasion effectivement de parler et de faire parler de Genève. Troisième élément, le peuple genevois a voté à 83% une initiative des milieux culturels qui visait à donner comme mission au canton, principalement de travailler sur la question du cofinancement, comment est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord, communes et cantons, au financement de prestations culturelles, et puis ensuite de la concertation avec les milieux intéressés. Quelques mots de sport. Quelques mots de sport parce que Genève est un exemple suisse en matière de soutien à ses sportifs d'élite, au titre d'un programme que l'on appelle Team Genève. Vous savez, c'est Lucas Stramer qui gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Aviron. Cette Sarah O'Flynn qui, en ski acrobatique, gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Celles et ceux qui font des championnats du monde et qui les gagnent. Eh bien, ils bénéficient, ces athlètes, plus de 31 cette année 2019, du soutien de Team Genève, qui est un soutien à un triple niveau, un soutien financier,
un soutien médical par l'hôpital de la Tour et un soutien de marketing ou de recherche de sponsors pour les aider effectivement à leur pratique sportive. Il y a, je le sais, dans cette salle, des passionnés de patinoire et nous avons besoin d'une nouvelle patinoire à Genève pour accueillir notre équipe de hockey d'une part, mais aussi pour permettre à ce que celle-ci, et en particulier la relève du hockey, s'entraîner sur une patinoire qui soit nouvelle. Elle est identifiée dans le secteur de Lancy, que l'on appelle le trèfle blanc, pour nous permettre effectivement d'une nouvelle infrastructure. Nous nous sommes mis entre plusieurs départements, département des finances, département des infrastructures, département du territoire et le département de la cohésion sociale pour reprendre ce dossier et concrétiser enfin cette nouvelle patinoire. Si je vous ai parlé d'accès à la culture, j'aimerais aussi vous parler d'accès au sport et plus précisément l'accès à la pratique sportive. Souvent, quand on dit « je veux faire du sport » ou « il faut aller faire du sport », c'est un peu compliqué. Par contre, d'imaginer des changements de comportement dans la pratique sportive est une réalité. Il y a de moins en moins d'inscrits dans un sport collectif et de club, et de plus en plus de pratiques individuelles, de course à pied, de natation. Ce sont des sports qui sont en expansion et qu'il faut accompagner, notamment parce que la question des clubs en particulier, eh bien, il y a l'enjeu des bénévoles, c'est-à-dire celles et ceux qui font vivre tous les jours de la semaine, samedi, dimanche compris, ces clubs. Ce sont les bénévoles, ce sont des personnes particulièrement engagées. Elles ont besoin de reconnaissance d'une part, elles ont besoin de soutien d'autre part. Et avec les fédérations d'une part et les communes, nous entendons développer toute une série de mesures pour les soutenir. À titre d'exemple, je réfléchis pas seulement pour le sport, la culture, mais aussi pour l'action sociale, d'imaginer en effet comment est-ce qu'on peut valoriser dans un CV la question de son engagement associatif et bénévole. Alors, le nom du projet s'appelle Passeport Bénévole. C'est l'occasion de valoriser les apprentissages réalisés dans une association. On y apprend plein de choses techniques, comme de gestion, par exemple, d'une structure. Et ça, on doit pouvoir le valoriser. Quelques mots pour conclure, mesdames et messieurs. Mes convictions sont d'imaginer que l'ensemble des dispositifs, et bien d'autres encore que je souhaite mener, peut se concrétiser par la présence d'un service public fort. Ça ne veut pas dire forcément, monsieur le député, je vous rassure, que nous allons dépenser des milliards. Mais il s'agit pour moi de nous assurer que le service public soit efficace, efficient et surtout à la disposition des habitantes et des habitants. Pas forcément du canton d'ailleurs, mais cela peut être aussi d'un service public communal. Pour pouvoir faire vivre notre démocratie, les habitantes et les habitants ont besoin d'avoir un accès à l'administration. Et il n'y a rien de pire que le sentiment d'abandon d'un public vis-à-vis de son administration. Souvent, quand j'ai fait visiter le Lignon à des journalistes français, notamment quand il y a eu les émeutes en France et à Lyon en particulier, TF1 et d'autres avaient débarqué au Lignon pour dire « Mais comment se fait-il, un, que c'est une cité ouverte, deux, que vous y êtes bien, trois, que vous y habitez, et quatre, qu'au fond, il n'y a pas tant de problèmes que ça ?» Et une des hypothèses que j'ai formulées et que j'ai pu vérifier, c'est effectivement que le sentiment d'abandon des habitants n'existe pas. Que s'il y a un centre commercial, des commerces, des médecins, des dentistes, des services publics, une bibliothèque, etc., c'est l'occasion d'entretenir le lien et le sentiment qui existe. Deuxième conviction, c'est celle de penser que nous avons besoin, pour l'État, d'associations fortes. Elles sont le premier vivier d'une démocratie, c'est souvent là que les choses s'apprennent. Et l'immense avantage des associations, c'est qu'il n'y a pas besoin de passeport pour participer. On peut donc s'engager et considérer comme étant des partenaires à l'exercice d'une politique publique. Quatrième élément, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai besoin du milieu économique pour réussir mon pari.
Je peux prendre ma part de financer, de mobiliser des projets pour permettre à des personnes en rupture de raccrocher à des projets professionnels. Mais je suis dans l'incapacité de créer des places de travail. J'ai donc besoin de travailler avec le milieu économique et de faire en sorte que chacune et chacun jouons notre rôle pleinement, entièrement, pour nous assurer de l'objectif, pour laisser évidemment personne sur le bord du chemin. Tout ceci tient, d'un point de vue politique, à un élément essentiel, qui est celui d'une démocratie vivante. On a trop d'exemples dans nos pays voisins d'une démocratie particulièrement malmenée. Et plus on tape sur les politiques, plus effectivement les gens s'en détournent, et plus les réactions d'enfermement, les réactions d'agressivité peuvent prendre place et surtout prendre le pas. Nous allons lancer un rappel essentiel pour les élections communales de 2020. Un, il y a des élections. Deux, il y a des personnes qui peuvent voter, et en particulier les étrangers établis en Suisse depuis plus de 8 ans. Le taux de participation des personnes étrangères lors de la dernière élection communale de 2015 a montré effectivement qu'il n'y avait pas plus de participation que les Suissesses et les Suisses. Donc on a considéré qu'on a une marge de progression pour les encourager à participer, certes à ne pas être élus, mais en tout cas à participer au vote. Voilà, mesdames et messieurs, les éléments conclusifs que j'ai voulu évoquer rapidement avec vous. Et puis il nous reste, je crois, quelques minutes et un peu plus pour échanger ensemble. Nous vous remercions, monsieur le conseiller d'État, pour le tableau exhaustif que vous avez brossé de la situation sociale à Genève et surtout pour l'esquisse des nombreux projets que vous entendez mener au cours de votre législature. Et cela appelle certainement de nombreuses questions de la part de la salle. La parole est à vous. Monsieur le conseiller d'État, bonsoir. Pardon, monsieur Safatz. Vous avez brillamment brossé un tableau, je dirais, exhaustif des charges de votre département et des défis auxquels vous faites face. C'est assez impressionnant, une grosse charge sur vos épaules. Vous avez évoqué le fait que 54% des emplois vont disparaître. Je crois que ça, c'est un enjeu majeur, mis à part tous ceux que vous avez évoqués, bien sûr, et qu'on peut en éliminer aucun. Mais ne pensez-vous pas que le problème de formation est crucial, pas seulement pour notre pays et pour notre canton, mais je crois que pour l'Europe en général? Puisque là, il s'agit d'une vision à long terme et non pas à court terme. Tous les autres problèmes que vous avez évoqués sont urgents et imminents, si j'ose dire. Vous avez raison, la question de la formation, et j'en ai pas parlé, elle est essentielle à plusieurs titres, et je vais être relativement court pour laisser la place à d'autres questions. La question de la formation, je l'ai dit, 6 personnes sur 10 à l'hospice n'ont pas de formation secondaire et tertiaire achevée. Et puis on a toute cette transformation du monde économique qui impacte sur la question de la formation. Pour caricaturer, est-ce qu'on va continuer de former des mécaniciens sur auto alors qu'au fond, nos voitures sont bourrées d'électronique? Et nous, on continue de former des mécaniciens sur auto parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut les former. Alors qu'à part changer des roues et mettre un peu d'huile et de l'essence, je dirais la majorité des pannes sont des pannes électroniques. La question des caissières dans nos commerces, elle est intéressante aussi de savoir comment les entreprises de détail sont en capacité de permettre à leur personnel de se former à d'autres métiers que ceux qu'ils exercent. Parce qu'on a là des enjeux majeurs. On sait qu'avec les caisses électroniques, on va perdre des caissières. Donc, que vont-elles devenir, ces 5000 caissières à Genève? Et si on n'est pas dans une capacité d'anticipation, d'une part, et d'autre part, de conversion professionnelle, d'autre part, je pense qu'on se trompe. Et puis, on a une formidable université des métiers que sont les écoles, la haute école spécialisée, les HES.
Là aussi, c'est une invention, c'est une volonté suisse que de pouvoir compléter ou en tout cas permettre à des personnes qui ont un parcours moins universitaire, naturellement parlant, peuvent accéder à des formations extrêmement qualifiantes basées sur la pratique du professionnel. Donc on a, et vous avez raison de le souligner, des enjeux assez cruciaux qui nécessitent de l'agilité. Et ce que j'ai tenté de vous montrer dans mon exposé, c'est que nos lois ne sont pas toujours agiles. Je vous prends l'exemple des prestations complémentaires familiales. Ça a été la dernière invention sociale à Genève, en matière structurelle. Le point de départ est d'imaginer en effet que des parents qui travaillent n'arrivent pas à subvenir aux besoins des familles. C'est ce qu'on appelle les working poor, les travailleurs pauvres. Rendez compte dans quel état on peut être lorsqu'on on bosse les deux à 100% et que malgré ces deux salaires, cela ne suffit pas à gérer la famille. Donc l'État, sous l'impulsion de François Longchamp, a créé les prestations complémentaires familiales, qui sont des prestations qui complètent un bout de revenu lorsque, effectivement, tant les charges et les revenus sont maîtrisés. Mais quelques 8 ans après, on se rend compte que le système qui avait été imaginé ne tient pas compte de la situation d'aujourd'hui. Le système a été imaginé au moment où les contrats étaient stables, des contrats à durée déterminée, des taux d'horaires, des taux tarifs francs fixes, et puis des durées de travail fixes. Or aujourd'hui, la majorité des gens qui sont considérés comme travailleurs pauvres sont des gens qui ont des contrats de travail à durée déterminée, ou alors sur appel, ou alors effectivement tellement fluctuant que le système ne réagit ou réagit mal. Il dit, mais vous avez gagné 100 francs de plus que ce que vous deviez l'année passée, vous devez donc me rembourser les 100 francs que je vous ai avancés l'année dernière. Donc voilà, c'est ce type de choses qu'on essaie d'amener comme réflexion et de permettre effectivement des modifications législatives. Oui. Ben, bonsoir, merci infiniment, monsieur le conseiller d'État, pour cet exposé clair, net et précis. Je voulais rebondir sur la question précédente et regarder vers le futur, et vous mentionnez dans le titre « Nouveau contrat social ». Donc je voulais peut-être avoir vos perspectives sur le rôle du secteur privé, c'est-à-dire nouveau type de partenariat public-privé, peut-être plus proactif, et peut-être aussi pour rebondir sur l'aspect technologique, est-ce que ceci ne pourrait pas créer de nouvelles opportunités, pour peut-être de nouveaux outils qui rendraient le citoyen plus, disons, dynamique et pourrait peut-être de manière plus proactive soutenir le contrat social? Je pense à des monnaie locale, à monétiser ou valoriser le bénévolat comme vous le faites, mais la plus proactive, qui pourrait peut-être soutenir le gouvernement, l'État, son budget et rendre effectivement la dynamique sociale plus inclusive. Merci. Je sens que vous avez plein de choses à me proposer. Philippe, tu voulais intervenir? Thank you.
Bon, un élément que tu évoques, c'est la question de la relation d'un public concerné avec l'administration. Je pense que là, on a toujours une possibilité de faire mieux. Non pas que les fonctionnaires concernés n'y sont pas attentifs, mais il s'agit d'avoir le temps suffisant de comprendre la situation particulière et de pouvoir en déduire quelque chose. Le Conseil d'État a voulu créer un médiateur administratif qui permet aux personnes au bénéfice d'une prestation, en tout cas une question à l'État, de pouvoir utiliser ce médiateur administratif, un ombudsman, comme tu l'as cité, pour tenter effectivement un dialogue avec l'administration lorsque le dialogue est bloqué. Lorsqu'il a des questions un peu plus précises s'agissant d'une situation, tu évoques l'ordre dans lequel effectivement le calcul du revenu déterminant unifié se passe. J'ai demandé à mes équipes de travailler sur quelques éléments ou exemples types qui montrent si le système joue ou ne joue pas. Donc volontiers qu'on puisse l'évoquer ensemble, si tu le souhaites, avec des éléments factuels pour nous permettre de tester ce dispositif-là. On sait que n'importe quel dispositif n'est pas 100% picobello, mais si nous sommes dans une démarche de repenser ce système, si on peut l'améliorer, c'est évidemment le bienvenu. L'État, oui. Ah, pardon. Bonsoir. C'est juste parce que comme c'est retransmis, ça sera plus facile. Oui, bonsoir, monsieur le conseiller d'État. Merci pour votre exposé qui est très intéressant. J'ai été surpris par les chiffres. Moi, je suis conseiller municipal, hein, Jean Zano. Donc, j'ai été surpris par les chiffres que vous avez donnés donc, sur l'évolution future du nombre de travailleurs, finalement. Et notamment, il y a l'informatique. C'est clair qu'il joue un grand rôle. Et donc, dans ce nouveau contrat social que vous voulez, enfin, que les gens veulent, et l'aide au sport également qui participe à l'évolution du contrat social, est-ce qu'on a assez d'argent dans le futur, s'il y a moins de gens qui travaillent, d'après ce que j'ai compris, de payer toute cette infrastructure? Et comment voyez-vous l'évolution, justement? Le canton, la ville et les communes, comment est-ce qu'il y a assez de monde pour tout ça? Vous citez souvent, vous avez cité l'exemple de la vieille personne qui vient à la commune et qui réclame pour remplir finalement sa feuille, pas d'impôt, mais l'aide de remplir une fiche, mm-hmm. une inscription, soit pour obtenir l'aide sociale. Voilà ma question, merci. Alors, plusieurs volets à votre question, je vais me concentrer sur l'une d'entre elles, c'est les rapports effectivement entre l'administration, enfin le canton et les communes. Est-ce qu'on peut faire mieux? Assurément oui. C'est le chapitre que j'ai voulu développer au titre de l'action sociale de proximité, où on doit se mettre d'accord avec les communes sur le fait que, bah oui, elles sont meilleures dans un dispositif de proximité que je ne peux l'être au niveau du canton. Il faut l'admettre. Il faut les aider aussi à prendre conscience de du public dans lequel, avec lequel elles travaillent et elles sont, pour permettre à ce qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Ce qui est fascinant dans une commune, c'est le génie local. C'est ces petites solutions très efficaces qui sont possibles. Je pense notamment à un réseau senior qui a été monté dans deux communes. Voilà, il y a des choses qui se passent. Par contre, on doit pouvoir s'assurer que des prestations de base puissent être assumées par l'ensemble des communes, que cela ne casse pas le génie local dont je parlais. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour cela? La question est une vraie question. D'abord, un budget, c'est toujours un acte politique. Toujours. Et le choix politique qui est fait de mettre de l'argent pour ça ou pour ça, c'est un choix politique. Deuxièmement, cette question des moyens fait naître chez moi une réflexion un peu plus importante autour, et je vous le dis en toute transparence, j'ai pas mal évolué là-dessus, c'est le revenu de base universel.
ou inconditionnel, qui aujourd'hui doit être posé d'une manière tout à fait naturelle et pas du tout agressive, parce que la transformation du monde du travail aujourd'hui m'y oblige. Et nous avons peut-être là un chantier que nous pourrions ouvrir, pas tout de suite, je regarde mon directeur général qui commence à suer, mais effectivement, pas tout de suite, mais la réflexion autour de ce revenu de base inconditionnel m'intéresse. Si je n'arrive pas à avancer dans ma réflexion sur ce sujet-là, c'est que je bute sur un élément, c'est que je suis absolument convaincu que la situation de la dignité d'une personne tient beaucoup à sa situation professionnelle. Au fond, on considère une personne dès lors qu'elle est en activité professionnelle. Si, par hypothèse, elle l'est plus ou elle l'est moins, par quoi est-ce qu'on va remplacer la place que l'on offre à une personne dans une société ? Cette question-là, je ne l'ai pas encore entièrement résolue. J'ai quelques pistes. Au titre, par exemple, de ce que j'évoquais de l'isolement des personnes âgées, il y a là des champs absolument fantastiques que nous pourrions ouvrir pour créer ces liens dont je parlais, des personnes seules, des soutiens nécessaires et avantageux pour les personnes en situation de handicap. Voilà, ça ouvre des champs, mais je n'ai pas encore tout à fait bouclé ma réflexion. Je crois qu'il y avait encore une question aussi à l'avant. Monsieur le Conseil d'État, d'abord bravo pour votre exposé magistral qui, partant des mutations profondes de notre société, arrive à esquisser le nouveau contrat social vers lequel nous devons aller. Personnellement, vous savez que je travaille sur le vieillissement. J'ai particulièrement aimé, évidemment, lorsque vous parlez, que vous préférez de parler d'allongement de la vie plutôt que de vieillissement. Donc, de jeter un nouveau regard sur ce vieillissement, mais ça veut aussi probablement dire qu'effectivement, de reconnaître que les personnes vieillissantes, c'est une formidable ressource de laquelle toute la société peut bénéficier, ce qui implique effectivement des conditions cadres qui leur permettent de s'épanouir. Et puis vous avez parlé d'urbanisme, de logement, mais je pense que ça touche effectivement tous les départements. Bien sûr. Puis vous y consentirez. Et puis surtout, ça touche toute la société. C'est bien de chercher le contact avec les milieux immobiliers, c'est bien aussi de chercher le contact avec les entreprises au niveau de leur responsabilité sociale, de chercher le contact avec la Migros et puis la COP, et que le rôle de l'État d'un rôle de prestataire et de soutien aux plus démunis, ce qui est très légitime, passe à un rôle plutôt d'orchestrateur d'un nouveau regard par rapport au vieillissement et puis de fournir ces conditions qui permettent à la société d'évoluer. Merci. Merci, Hans Peter. Volontiers. Oui, bonsoir, monsieur le conseiller d'État. Je vais faire très bref, mais ça m'a fait plaisir que vous parliez du revenu universel. En 2016, il y a eu une votation là-dessus. J'espère juste que ceux qui vont travailler là-dessus, qui vont se poser la question du revenu universel, vont surtout présenter comment on va financer ce revenu universel. Et pour ceux qui suivent un peu ça, un fiscaliste connu, M. Xavier Auberçon, hein, parlait de micro-taxes. Et peut-être lier tout ça, enfin, il y a un gros boulot, hein, c'est sûr, mais dans le sens, peut-être lier tout ça et. À mon avis, ça me paraît une évidence, quoi, à terme en tout cas, et à voir comment on va pouvoir y arriver, ça prendra du temps. Mais voilà, je veux juste dire ça. Merci de vos encouragements. Une question à l'avant. Merci. Je propose que l'on prenne encore deux questions. Vous aurez encore le temps d'interagir lors de l'apéritif, mais on a des impératifs d'horaire. Moi, je m'appelle Olivier, donc je suis vice-président de l'Association de défense des chômeurs. Je suis actuellement à l'Office général en réinsertion pendant 6 mois. Moi, je vous remercie pour votre éloquent discours et puis tout ce que vous allez proposer durant ces 5 ans. Je me réjouis d'avance de voir
l'efficience de tout ça. Je pense qu'elle est tout à fait possible. Et puis, je pense que le revenu, le RBI, le revenu brut minimum, en fait, a été déjà inventé à Reno, dans le canton de Zurich. Ça n'a pas eu malheureusement le succès convenu parce qu'il manquait de l'argent. Enfin, c'était des privés qui avaient décidé de mettre de l'argent pour tous les habitants de la commune de 18 à 65 ans. Je trouve qu'en Suisse, avec la richesse qu'on a, je pense que c'est possible d'avoir ça pour toutes les personnes de tout notre pays. Et puis, ça, c'est surtout un lancement sur... même si ces gens ils ont un RBI, ça pourrait aussi leur donner une lancée pour obtenir du travail, etc. Que finalement de rester à l'aide sociale et puis d'être un peu minimisé parce que voilà, on ne se sent pas très bien à l'aide sociale. Et puis surtout, quand on parle de l'aide sociale, on est un peu mis à part. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci de vos propos. Je vais permettre de souligner une chose. Je rencontre personne content d'être à l'aide sociale. Et ok, on peut imaginer de 3 à 5% des gens qui peuvent en profiter un peu plus, mais on a 95% des gens qui ne sont pas heureux à l'aide sociale. Certes, on a aidé, certes, on a accompagné, certes, on a de quoi pouvoir survivre. Je ne parle pas de vivre, je parle de survivre à l'aide sociale. Et donc, il n'y a pas d'abuseur de l'aide sociale. Et de prendre quelques cas de fraude serait effectivement maladroit pour ensuite décrier tout un système. On connaît des attaques sur l'aide sociale à Berne, et à Zurich et dans d'autres cantons, en Argovie, qui attaquent ciblement, de manière extrêmement claire, l'aide sociale. Pour moi, je me permets de rebondir sur votre question, sur le fait qu'on a besoin de renforcer l'accompagnement au titre de l'aide sociale, mais pas de la descendre. Alors, je ne sais pas si l'État va réussir à poser sa question. Bonjour, bonsoir, monsieur le Conseil d'État. Je me présente. Je suis madame Moana Karima Sandia, résidente à la commune de Vernier. La ville de Vernier. Je tiens à porter mon témoignage en tant que résidente à la commune de Vernier de toute la bonne qualité, l'humilité, l'humanité, la bonne collaboration étroite que j'ai pu bénéficier auprès de notre ancien maire qui est vous, parce que je suis bénévole au Cité Senior. Je suis bénévole à la Ligue Genevoise contre le cancer à l'heure actuelle. Ça fait 13 ans que je vis en Suisse. Et je travaille à 70% dans une entité étatique. Je suis épanouie grâce à la dignité humaine que vous nous avez apportée, monsieur le Conseil d'État, quand vous étiez monsieur le maire. Et je suis fière de continuer avec vous. Ça, c'est le premier témoignage. Merci. Que je tiens à apporter. Je suis d'origine comorienne, mais je n'ai pas quitté mon pays pour venir survivre en Suisse. Je quittais mon pays pour venir vivre en Suisse parce que mon pays a connu 32 coups d'État. Aujourd'hui, j'écris un livre autobiographique parce que je suis aussi écrivaine anonyme avec un groupe qui s'appelle le Laboratoire d'écriture de Sylvain Thévaux. On écrit des livres pour faciliter l'insertion des personnes et on les cède à des écrivains pour pouvoir aider les personnes. Mais tout au long de ma collaboration dans cette structure étatique, j'ai subi les préjugés, le délit de faciès. Je suis actuellement en burn-out. On m'interdit la levée du secret professionnel, monsieur le Conseil d'État, pour parler de ce que j'ai vécu dans cette structure. Ça fait une année et demie que je n'arrive plus à travailler et je ne pouvais même plus ouvrir ma boîte aux lettres. Toute cette structure qui prétend aider l'aide sociale d'une grande... Donc les ressources humaines ont créé ce réseau pour déstabiliser une seule personne. Le réseau de la commune de Vernier est au courant, je suis soutenue. D'autres entités sont soutenues, il y a des témoignages. Seulement, l'administration est très lente. Je pense que ce qui est injuste en Suisse, c'est la relation de convenance. Ce qui est injuste en Suisse, monsieur le conseiller, c'est de pouvoir ne pas donner la dignité humaine à quelqu'un
et d'attendre qu'on aille au fond du parterre pour pouvoir l'écouter. Pendant mon arrêt maladie, un couple de personnes âgées que j'ai accompagnées, ne voulant pas vouloir d'autres personnes arriver chez eux, ils n'ont pas pu bénéficier de mon aide et une dame âgée est glissée par terre et elle est morte. 6 mois après, son mari est glissé par terre et resté 3 semaines à l'hôpital. Donc, mon bénévolat a permis à des personnes de tenir à domicile, de rompre l'isolement. Je ne fais pas grand-chose, monsieur le conseiller. Je ne fais qu'apprendre aussi. Parce que sans nos aînés, nous sommes rien du tout, même si je viens d'ailleurs. Parce que ce que nous avons bénéficié aujourd'hui, c'est eux qui ont construit. Mais ce que vous oubliez, nous, demain aussi, on sera des vieux et que nos jeunes ont besoin de nous. Cette entité étatique, c'est l'insertion sociale. Et je m'occupe des personnes en insertion. Donc, sur mon temps de travail, si je subis du mobbing tout au long, un délit de faciès, et que je dois accompagner des personnes, après avoir subi des entretiens, des lettres qui ne sont pas justifiées, comment je peux travailler sereinement et pouvoir être la bonne éducatrice que je suis? J'ai acquis des diplômes, je fais du droit de l'homme. En parallèle, je suis au niveau du bénévolat, j'ai créé des ONG avec mes propres fonds. Je tenais à vous dire, vous tous, que je tiens debout parce que mon image avec monsieur le maire que j'ai vécu me donne ma dignité. Et il est à l'écoute jusqu'à maintenant. Donc c'est un témoignage. Et je tenais aussi à dire que la police genevoise est la meilleure des policiers. Et je les félicite parce que dans d'autres situations, ils étaient présents. Et il y a un dialogue qui s'ouvre. Merci de vos encouragements. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais dire avec émotion. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Eh bien, c'est sur ce témoignage poignant que nous allons mettre un terme à cette rencontre. Je tiens à vous remercier vivement au nom du public et au nom de l'ING merci. De nous avoir accordé cette soirée pour partager votre vision de l'aide sociale, votre vision et vos projets pour l'avenir. Et je crois que c'était bien qu'on se voit relativement en début de législature, parce que vous avez, comme on dit, du pain sur la planche. Nous allons vous convier maintenant à un petit apéritif, où vous pourrez encore interagir quelques instants. Et j'aimerais vous rappeler que nous allons continuer ce cycle de rencontres avec les conseillers d'État. Et le 1er octobre, ce sera M. Mauro Poggia, qui se trouvera dans nos murs, suivi le 9 octobre, par M. Serge Dalbousco. Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous, c'est fait.